Yo tout le monde, c'est SGamer54, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que... Tadada! J'ai deux colis, les amis, que j'ai reçus aujourd'hui. Alors, il y a un colis où je pense savoir c'est quoi, mais le deuxième, ça me fait peur parce que... Alors celui-là, je sais pas trop ça... Alors celui-là, je sais pas du tout ça peut être quoi. Mais en tout cas, sachez, celui-là, je sais c'est quoi. Parce qu'en fait, si c'est le truc que je pense, je sais qu'il y a au moins un des deux, ça va être le jeu en question, que je vous ferai en let's play, que je commencerai à en faire en let's play, ça veut dire tourner les épisodes quand mon PC se refonctionnera. Ça veut dire à peu près le 19 mars. Et ça sera le prochain let's play, pas après Speaking God, mais après les Tortues Ninja, que j'ai fini de tourner. Ça y est, j'ai fini le tournage. Du coup, là, j'ai juste à les mettre en privé, à les programmer. Et du coup, quand mon PC fonctionnera comme avant, ça veut dire que je peux retourner sur PC et tout, je vous ferai le let's play en question. Alors que je commencerai par le premier, le 2, etc. etc. Du coup, bah, c'est parti, on va l'ouvrir, l'ouverture, les amis. Et puis, du coup, bah, si c'est les deux premiers jeux, ça veut dire qu'il m'en manque encore 3 colis que je recevrai sûrement au mois de mars. Peut-être il y aura peut-être un fin février ou je crois c'est les trois autres en mois de mars, on verra bien. Du coup on va commencer par voilà le magnifique signe voilà, pour ceux qui le connaissent hein, c'est Amazon. Alors bon. Ah non bah en fait quand j'ai juste un seul jeu en fait. Juste un seul jeu. Parce qu'en fait si vous mis le délire. Ok. Ok, c'est bon. Ah, c'est génial. Ah si, j'ai vraiment eu deux jeux. Ok. Ah, j'espère qu'ils m'ont pas envoyé deux fois le même. Ça me fait peur. Voilà, du coup, j'oublie pas mon adresse, évidemment. En rose, voilà, c'est un paquet cadeau spécial Harry Potter, on peut dire. J'ai payé même pas 3 euros. C'est juste pour le détente, pour le délire, quoi. Et du coup, j'ai un peu peur que en fait, j'ai deux fois le même jeu. J'ai un peu peur que ce soit ça. Mais bon, bref, on verra bien. Du coup, alors, comment ça s'ouvre cette merde? Allez! Ah, c'est bon. Oh, les amis, ça y est. Ah, c'est génial, j'ai oublié. C'est cool. Bah, franchement, pour moi, je pensais. Ah, ça veut dire, ouais, ça veut dire que j'ai sûrement les deux jeux. C'est cool. Alors, les amis. Attendez. Juste regarder un truc. Nanana. Moi aussi, je pense que j'aurais joué sur mon PC. Les amis, regardez le prochain let's play qui va arriver. Et je pense, en regardant juste ce premier jeu, vous allez comprendre que je vais partir dans quelle licence, les amis. Et du coup, ça sera à partir. Alors, je commencerai le. Alors, par contre, je ne sais pas encore, les amis, si je vais faire le tournage soit en vidéo ou soit en live. Je pense que ça sera plus être en vidéo pour que vous profitez vraiment. À fond les bah, à fond la qualité du jeu etc. Et voilà. Alors déjà je vous montre là, je sais pas si ça va être marqué. Ah si ça va être du spoil voilà ça a été emballé le jeu évidemment parce que il est tout neuf. Alors tous les jeux que je vais recevoir les amis que j'ai pris sur Amazon sont tous tout neufs. Ça veut dire que j'ai payé le prix qu'on peut avoir sur d'autres sites mais voilà je suis plus sur Amazon parce que je fais plus confiance à Amazon que à deux autres endroits qui m'ont envoyé sur d'autres sites et du coup voilà bon après le CD bon c'est le CD de base bon par contre je vous montrerai pas parce qu'il y a le code quand il faut installer le jeu bon après le CD bon c'est pas grave c'est basique mais en tout cas j'ai hâte de vous faire la licence là les amis alors j'ai pris en CD alors j'ai pris le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7 parce que le 8 je l'ai déjà.
C'est bien sûr, les amis, mesdames et messieurs, on va partir sur la licence à partir du mois de mars. On partira sur la licence. Alors, je sais pas si ça va être en vidéo ou en live. Je pense dans la formation du mois de mars. Ça veut dire bah semaine prochaine. Ça veut dire lundi. Ça sera spécial vidéo le lundi. Pourquoi les amis? Parce que le lundi, on sera le 1er mars. Du coup, vous n'avez pas l'habitude avec moi depuis sort une vidéo le mardi. Du coup, ça sera exceptionnellement ce mois-ci, le mois de mars, ça sera le lundi, la formation du mois. Et je vous en parlerai aussi de cette licence parce que, regardez, on va partir du mois de mars. Ne ratez surtout pas, les amis. Au mois de mars, on va se taper la licence des Harry Potter! Ouais! Sur PC. Du coup, je suis pris déjà le Prince de Sang-Mêlé. C'est le premier qui est arrivé. Ça, c'est cool. C'est celui qui a été emballé dans le paquet cadeau. Franchement, j'ai hâte d'y jouer. Parce que là, c'est sûr, les amis, je vous dis tout de suite. Parce que je vois déjà des personnes qui vont dire: Let's Gamer, est-ce que tu vas faire toute la saga Harry Potter? Je vous dis oui, les amis, on va faire du premier, ça veut dire Harry Potter à l'école des sorciers, jusqu'à Relique de la mort, première partie et deuxième partie. La deuxième partie, j'ai jamais fait, parce qu'avec mon ancien PC, mon vieux PC, bah, ça fonctionnait pas, malheureusement. Et du coup, là, cette fois-ci, ça va fonctionner nickel. En plus, j'ai acheté le truc pour lire les CD. Du coup, ça va être pas mal. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer. J'ai vraiment hâte de refaire ces jeux Harry Potter. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis. Du coup, on va ouvrir le deuxième colis. Du coup, le deuxième colis. Ok, bah c'est bien ça. C'est bien. Oh, je pensais pas celui-là qui est arrivé aujourd'hui. Ouais, je pensais. Oh putain, en plus, il est trop beau. Oh, il est trop beau, les amis. Bon, par contre, bon, il n'est pas emballé. Mais bon, attendez, je vais juste regarder si c'est en bon état. Comme c'était marqué. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Les amis. Attends, c'était ça? Numéro de série. Ah, c'est pour activer le. Okay. Les amis. Là, ça va être le premier jeu qu'on fera en CD. Ça sera le premier jeu. Bah, pas le premier jeu. Vous avez compris, quand même. Pas le premier jeu de base. Mais le premier jeu que je ferai en CD. Parce que les deux premiers, bah, évidemment, les deux premiers jeux, vous pouvez vous en douter, ça sera le 1 et le 2 que je vous ferai en CD. Du coup, je vais vous montrer. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sur PC. Du coup, c'est marqué quoi? Ouais, Windows XP, ok. Ouais, direct. Nanana, disque dur, ok, il prend pas beaucoup de place, ça c'est bien. Ouais, bon, ça va faire fonctionner nickel parce que moi j'ai eu Windows 10, du coup je pense que ça va le faire. Enfin, j'espère parce que sinon ça me ferait chier d'avoir payé en tout à peu près 140 euros pour avoir toute la licence d'Harry Potter en CD. Bon, après le 1 et le 2, ça veut dire l'école des sorciers et la chambre des secrets, je vous ferai ça sur Rome Station, sur version PS1 parce que la version PS2 c'est pas mes préférés. Pour être honnête avec vous, c'est pas mes préférés. Du coup, je préfère faire mes versions que j'adore. Ça veut dire le 1 et le 2 sur PS1. Et pour moi, je vous dis mon avis perso, les amis, c'est mieux raconté dans le premier que dans que la version PS1. C'est mieux raconté que la version PS2. Voilà. Après, c'est mon avis perso, les gars. Je pense que Drake 14, s'il passe sur cette vidéo, s'il regarde cette vidéo, je pense qu'il pourra vous confirmer la même chose que moi. Que la version PS1 c'est la meilleure version de Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Voilà. La version PS2 ils sont bien. Je dis pas qu'ils sont vraiment pourris à chier. C'est juste qu'ils ont trop bâclé. Ils ont trop bâclé l'histoire et c'est un peu dommage. Du coup voilà, le premier jeu qu'on fera en CD, les amis, ça sera Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. Alors celui-là, je l'ai fini une seule fois. Pour être honnête avec vous, je l'ai fini qu'une seule fois. Et comment je peux vous dire ça? J'ai pas été déçu. Non, c'est juste que il est très très compliqué celui-là. Pour moi, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est pour moi l'un des plus durs des jeux des Harry Potter. Après, il y a Harry Potter aussi, les Reliques de la mort, première partie, que c'est la démission que je me rappelle que j'ai un peu galéré. J'espère pas que je vais galérer avec vous, les amis, parce que sinon ça sera un peu con.
Mais sinon, ouais, la plupart des jeux que j'ai fait Harry Potter, je crois, c'est ceux que j'ai quand même pas mal dérivé, ça serait le 3 et le Relique de la Mort. Après, le 4, la Coupe de Feu, vous verrez quand on y jouera, hein. Il a des choses. Ouais, il y a des choses qui me gênent parce qu'en fait, il faut av en fait, pour avancer dans l'histoire dans Harry Potter et la Coupe de Feu, il faut faire une sorte de défi. Ça veut dire qu'il faut ramasser le maximum de trophées pour débloquer la suite du jeu. Bah, vous verrez ça quand on sera. Hein, on a encore le temps. Hein, je pense que ça sera sûrement en mode de. Allez, disons peut-être fin d'année ou d'année prochaine qu'on commencera sûrement la Coupe de Feu. Je pense. Ou à moins que je rush comme je sais pas quoi, et parce qu'à partir de à partir de cette semaine, les amis, je vais plus travailler le vendredi après-midi, ça veut dire que je serai en week-end le vendredi matin. À midi, je serai libre et tout. Du coup, ça veut dire que je pourrai faire des vidéos, etc., etc. Mais bon, ça, je vous parlerai plus tard, les amis, à partir du mois de mars, parce que ça sera à partir de l'année du mois, dans le mois du mois de mars où je pourrai retourner sur PC. Du coup, ça sera un moment là où je vous expliquerai comment ça va se passer au fur et à mesure dans le mois. Du coup, bah voilà, les amis, ça serait tout. Voilà, une petite récapitulative. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Du coup, si vous soyez un peu logique, les amis, il reste la coupe de feu, le prince de. Non, la coupe de feu, l'ordre du Phénix et le relique de la mort, première partie. Parce que la deuxième partie, je l'ai déjà dans mon tiroir où il y a les films Harry Potter. Non, les films Harry Potter, je les avais vu plus tard parce que là de vendredi, je vais avoir des nouvelles vitrines. Des vitrines comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Ma première vitrine. Ah oui, parce que ça va, je vous ai pas montré, en fait, les amis. Ma première vitrine que j'ai été chercher chez un particulier. Ils vendaient pas trop cher, du coup j'ai profité. Ils vendaient même pas 60 euros. Ouais, 60 euros que j'ai payé. Et quand je regardais les prix, j'ai fait what? C'est où le problème? C'est quoi le truc là? Parce que c'est pas normal. Et du coup, quand je l'ai pris, bah voilà, j'ai dit bah oui, aucun problème, je vais vous prendre direct. Et puis voilà. Du coup, c'est arrivé. Et du coup, j'ai commandé deux vitrines comme ça j'en ai eu pour 189 euros, un truc comme ça. Du coup, ceux-là, bah, je les ai pris. Comme ça, du coup, il y aura sûrement une ici et une là-bas. Ou soit, je vais mettre les deux là-bas. Où il y a ma télé 4K. La télé 4K, ça sera là, ici, dans le coin là. Harry Potter, ça sera dans les vitrines. Du coup, ça sera la place pour la PS4 plutôt. C'est la PS5, je vois encore pas vu, évidemment. Et le Trout et la lumière bleue. Alors, le symbole de la manette PlayStation, ça sera sûrement à côté de la PS5 et la PS4. La PS5. Et puis, Trout, il sera en haut du PC. Comme ça, ici, il y aura le bureau. Et puis voilà, comme ça sera tout bien fait. Voilà! Du coup, les amis, ça fait déjà à peu près 13 minutes, 14 minutes en live, quand on est en vidéo. Du coup, je vais vous laisser ici. Alors, je vais vous la mettre aujourd'hui, la vidéo, comme ça vous serez au courant. Et du coup, on a hâte de recevoir les autres. Alors, par contre, les amis, alors, celui-là, je vous dis tout de suite, c'est un prix d'occasion que j'ai pris. Pourquoi? C'est le seul jeu que j'ai pris en occasion parce que sinon, il n'y en avait pas du tout. En neuf, tout neuf, comme celui-là, parce qu'en fait ça se voit la matière. Celui-là il est un peu, pas un peu collant, mais je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Et celui-là il est tout doux, comme si on avait acheté dans un magasin, ou Leclerc, ou Cora, ou Auchan, ou des choses comme ça, et puis qu'on l'avait acheté directement dans le magasin. Mais en tout cas, sachez que moi, dans les magasins où je vais le plus souvent, il n'y en avait pas du tout, des Harry Potter. Du coup, j'ai pris sur Amazon et puis au moins comme ça je suis tranquille, au moins je sais qu'on les recevra. La preuve, hein, pour moi, je vous ai dit, hein, pour moi, j'avais qu'un seul jeu, c'était celui-là. C'était un seul colis, c'était celui-là. Et quand j'ai vu un deuxième colis, j'ai fait, c'est pour ça que j'ai commencé en premier. Et quand j'ai vu le paquet, j'ai fait, je crois, et puis après dans ma tête, j'ai fait, ah, purée, ça veut dire que j'ai deux jeux déjà, et ça c'est cool. Du coup voilà les amis, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu les amis, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me dire dans les commentaires si vous êtes content que je puisse faire enfin la licence Harry Potter. Puis bah n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si oui vous avez hâte, vous avez la hype comme je sais pas quoi, de pouvoir enfin vivre avec moi les aventures de Harry Potter. Ou soit vous êtes content mais vous êtes
pas si pressé que ça pour y voir. Et puis moi, à partir de... Bah, ça veut dire que je réfléchis toute cette semaine et week-end pour que je puisse vous faire dimanche la vidéo pour vous dire bah, si oui ou non, ça serait en vidéo ou en live que je ferai la licence Harry Potter. Et puis bon, voilà, quoi, ce serait tout, les amis. Du coup, ça veut dire avant le 19, il faut vraiment que je rachète un nouvel écran. Il manque un écran. Il manque à aller chercher le bureau. Le bureau, j'en ai trouvé un. Que manque juste à aller chercher. Et puis c'est tout. Et puis après, les lumières LED et tout. Ça, c'est pas trop urgent non plus. Parce que j'aurais quand même pas mal de lumière. J'aurais mon truc de PlayStation. J'aurais peut-être mes petites lampes que je allumerai. Ou. Ouais, je trouverai quelque. Vous inquiétez pas, je vous trouverai des solutions. Du coup, voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis, bah, on se retrouve demain en vidéo pour la suite de Speaking Dog, toujours à 17h. Et puis sinon, nous, on se retrouvera bah, sûrement à partir de... Bon, la prochaine fois que j'aurai des colis, je vous ferai une vidéo. Et puis sinon, bah, on se retrouvera bah, tout simplement le 1er mars en vidéo pour l'information du mois. Et puis après, bah, ça sera à partir du 19 mars. Après les Hobbesines, le dernier Hobbesine j'aurai, ça sera le 8 mars. Du coup, après le 8 mars, vous aurez quand même les Speaking Dogs qui vont arriver. Et puis, sinon, après à partir du 19 mars, eh ben, on se retrouvera sur PC. Et je pense que ça sera en live sur Twitch. Et qu'il y aura la rediff sur YouTube. Évidemment, quand j'aurai fini le live sur Twitch, je pense d'ici 2-3 jours après, vous aurez la rediff du live qu'on a fait sur Twitch, sur YouTube. Parce que on va faire des nouveaux let's play avec un pote, comme par exemple la licence des Halo. Il y aura les Guild Wars, il y aura Hitman la solution, il y aura quand même pas mal de bons jeux. Et puis moi, après, je ferai aussi des let's play en solo, ça veut dire les Harry Potter. Il y aura aussi du Football Manager que j'ai pris sur PC. Il y aura pas mal de bons trucs vraiment intéressants comme tout. Et du coup, j'espère que vous serez au rendez-vous, les amis. Voilà, ça serait tout pour aujourd'hui, les amis. Encore une fois, et puis je vous fais des gros bisous. Merci pour m'avoir suivi, merci pour vos soutiens, merci pour être fidèle sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et franchement, j'ai vraiment hâte de rejouer à Harry Potter. C'est un truc de taré. Allez, des bisous. Salut tout le monde, bye bye.